Au niveau des tests de départ, il y a eu un individu qui a cherché à manipuler les résultats. Parce que la personne testée positive, ne pouvant pas voyager, a cherché à voir une autre institution pour faire le test, mais en utilisant un personnel médical pour trouver un autre papier de test négatif. Cette personne étant positive, nous étions en train de chercher cette personne. Il y a un autre résultat avec le même nom qui arrive négatif. Et les enquêtes ont montré qu'il y a eu une manipulation. Et ces personnes qui ont participé à cette manipulation sont actuellement au niveau du commissariat et seront déférées devant le juge pour être jugées et condamnées pour cela. Et la personne positive est au centre de soins et répondra de ses actes à la sortie. Et ça, c'est l'atteinte à la santé publique et nous ne pouvons pas tolérer cela.